Bonjour à tous les terminales. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur le théorème des valeurs intermédiaires en vous donnant une explication. Donc on va imaginer la situation suivante. Donc dans un repère que je vais considérer orthonormé, je vais considérer ici la fonction suivante, donc sur l'intervalle A, B. Et là, je vais me poser comme question: à quel moment est-ce qu'on va avoir la fonction f qui va avoir pour image 0? Donc, on va résoudre comme équation f de x égale 0, sachant qu'ici, donc ce sera notre résolution d'équation, nous avons la représentation graphique. Donc là, clairement, on voit visuellement ce qui se passe, mais je vais vous donner une explication du théorème des valeurs intermédiaires. On va donc avoir ici notre tableau de variation associé à notre représentation graphique. Alors ici, regardez, qu'est-ce qu'on remarque? Donc ici, on va faire sur l'intervalle AB. Dans un premier temps, elle fait quoi? On voit que notre fonction, elle est décroissante. Et on va considérer que c'est en C qu'on a le changement. Et donc là, on va avoir en C, pardon. Donc là, on va avoir f de A, f de C et f de B. Et qu'est-ce qu'on a? On a que f de c est négatif, c'est-à-dire qu'au début elle est positive, et comme elle est continue et décroissante, élément important, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien on va avoir que notre courbe va couper l'axe des abscisses. Mais ne serait-ce que si on avait eu ce tableau de variation sans avoir notre représentation, qu'est-ce qu'on a ici? Donc j'oublie mon tableau, où on voit clairement qu'elle coupe. Qu'est-ce qu'on remarque? Ben là, on remarque qu'on a une valeur qui est positive, notre fonction qui est monotone, et elle part dans les négatifs. Comme elle est continue et monotone, que va-t-il se passer? Ben, elle va forcément couper, si à un moment ou à un autre, l'axe des abscisses, puisqu'on passe de positif à négatif. Ça vient de la continuité. Donc, notre théorème, il va dire, ben là, il existe un alpha qui va pour avoir image 0, et là, on va avoir de la même façon un bêta qui va avoir comme valeur 0. Et bien, nous allons regarder la présentation. On va s'intéresser aux intervalles où notre fonction est monotone. Donc, monotone, soit tout le temps strictement croissante, soit tout le temps strictement décroissante. Donc ici, il va falloir que vous écriviez. F, elle est continue et monotone sur l'intervalle qui va de A à C. OK ? Qu'est-ce qu'on a? On a f de a qui est positive et f de c qui est négative. Donc on a un changement de signe. Et bien notre théorème des valeurs intermédiaires, donc d'après, je vais faire une abréviation hein, comme je le ferai en classe, le TVI, on écrit il va exister un unique alpha tel que f de alpha soit égal à 0. De la même façon, on travaillera sur l'intervalle qui va de C à B. Donc ça, c'est un corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Le théorème des valeurs intermédiaires, on voit qu'il y a un changement de variation et qu'à un moment, on passe par la valeur. Le théorème va dire qu'il va exister au moins une valeur pour laquelle on va avoir notre fonction qui va s'annuler. Voici comment on présente proprement le théorème des valeurs intermédiaires avec une explication. Au revoir les loups.